la baronina. J'avais fait une vidéo, je l'ai effacée, mais là, je vais l'en faire. Pendant que j'étais là-bas, ma structure osseuse n'était pas dans leur monde. Il a fallu qu'ils changent toute ma structure osseuse. Ils ont changé des parties dans mon cerveau. Ils ont fait des interventions. Puis j'ai rentré en contact avec un autre parce que là, je voulais parler de mon ossature. Qu'est-ce qu'il avait contenu? Ben, il a été refait par mon père créateur quand j'étais aux soins intensifs à l'hôpital Notre-Dame parce que j'avais pas le droit de manger la nourriture. Ça m'avait tué. Donc, il fallait que je mange des petites quantités, pas de viande, pas de poisson pour commencer, pas de fromage, juste certains éléments végétaux. J'ai commencé tranquillement à manger parce que j'avais pas le droit de manger parce que je serais tombé décédé. D'ailleurs, ma pression était très mauvaise. Mon corps ne battait pratiquement pas. Parce que chez les extraterrestres, le corps, il n'est pas obligatoire vraiment tout le temps. Des fois, le système circulaire qui est comme un peu dans les plantes. Il n'y a pas un corps qui bat. Ça se promène. C'est comme de l'eau qui se promène dans les feuilles. Mais là, c'est un système semblable, mais c'est biologique aussi. Alors, je vais vous dire, mon ossature, qu'est-ce qu'elle a contenu? Parce qu'ils me l'ont donné. C'est des éléments qu'on n'a pas nécessairement sur la table, qu'on pourra un jour avoir. Enfin, je vais nommer les éléments. C'est du caricarcite carbonate 4, diocétate de plutonium 500, du stratosis pedicate 5, de sélénium 26, ascorbate 67, de chéropitate 26, calcium 20000, X, gratati 25, anhydrate de polychromate 27, de chéraphosphate, régalcitate, térate, cardiocarbonate 25. Ça, c'est la structure interne de l'os. C'est recouvert comme d'un lac, une peinture par-dessus. C'est recouvert de strontium calcique 27, baryatate 27 de calcium, strontioxyde 37. Ça, c'était pour refaire mon ossature. Mais je suis arrivé ici, quand j'ai eu une altercation avec la dame, j'étais fait comme ça. Je n'avais pas commencé à manger quand j'ai donné un coup à la dame et qu'elle m'en a donné plus qu'un. Donc c'est là que j'ai été amené à l'hôpital. Mais là-bas, dans le cerveau, ils ont changé des choses. Ils m'ont dit certaines opérations qu'ils ont faites, mais ils en ont fait plus que ça. Ça, j'ai su ça aujourd'hui, là, parce qu'ils ont rentré en contact avec moi pour me dire ça. Pour le cerveau, il y a une membrane qui recouvre tout le cerveau. C'est du calcitophasique mitoyenne 27-47-67. Ça ne me dit pas grand-chose. Là-dedans du cerveau, du tritanium 25, du zotatium 48, en lipiacéphale frontale, en caltra 27-25, occipital, strontium 26, mésencéphale, hydroxydate 26-27-69-200 à 6000 fois la vitesse de la lumière en année-lumière par seconde. Ça doit être la vitesse de la pensée ou des réactions nerveuses. Un cerveau tridimensionnel, émotionnel, femelle, en réceptase 2000, réceptio 25, hormone 747, du intramencéphale 4, phosto 5, cervelet changé en carreau 26-27, photo 29. Ça me dit absolument rien. Je sais pas si le chercheur se leur dit de quoi. Ça peut servir aux humains, tant mieux. Eux autres là-bas, là,
ils nous font mourir, mais on vit. Pas d'accord, on meurt, on vit. Ils nous changent d'humain en extraterrestre. C'est pour ça qu'ils nous font vider nos poumons, affaisser les poumons ne servent plus, ils sont finis, ils sont affaissés. Quand je suis revenu, je ne sais pas comment respirer. Je ne respirais pas. Je n'avais pas de respiration, le corps n'était pratiquement pas, puis j'étais vivant. Puis le cerveau était bien différent, je ne voyais pas les choses comme je les vois là. Je voyais différemment. Mes yeux étaient changés. Ils ont changé mes yeux, ils ont arraché mes yeux. Ils m'ont mis d'autres choses à la place des yeux. Mais après, quand je suis allé en soins intensifs à l'hôpital Notre-Dame, là, eux autres, ils peuvent avoir fait des interventions parce que c'est des médecins qui sont avancés là. Mais il y a mon père, le créateur initial, qui a fait des interventions. Après, il m'a abandonné parce qu'il ne pouvait plus rien faire avec moi à cause de trop de changements qu'il y a eu. Il m'a changé en femme sur la terre et il est parti. Et je sais pas où ce qu'il est rendu aujourd'hui, parce qu'il paraît qu'il fait des nouvelles planètes ailleurs, du nouveau système solaire. Mais j'ai pas de contact avec. J'ai eu des contacts avec le Christ de la Terre, puis le Christ des éternités, qui est huitien. Ce que vous autres vous appelez l'univers, une espèce de boîte qui est fermée, qui est ouverte là, où que les galaxies sortent. C'est les tiens tout ça, lui. Fait que c'est ça, je finis la vidéo. Je vous remercie de passer une bonne journée. Faites attention à ce que vous respirez. Il y a des gens qui sont à mesure de respirer des gaz, comme l'ammoniac, du fréon, d'hydrogène seulement, des trucs comme ça. Puis ils mourraient peut-être pas. Ils sont peut-être malades, mais pas mourus. Ça dépend si on est chez les extraterrestres, si on a déjà respiré ces gaz-là. Comme moi, mes os, mes côtes sont toutes soudées quasiment ensemble. Il n'y a pas d'espace entre mes côtes, quasiment. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne journée.